continuer, on nous dit que le dragon va se situer devant la femme. Eh bien, prête à dévorer son enfant, qu'on nous dit, mais on va s'occuper de le dragon devant la femme. Eh bien, ça correspond à l'orbite du cercle céréalier de Avebury 2008, vraiment. Et je peux vous dire qu'actuellement, on s'en va vers le mois de septembre, où ce qu'il y a l'alignement d'Hélénine, l'Hélénine qui correspond vraiment au premier objet, tel que décrit dans la Colbrune, tel que décrit dans la Bible, et vous allez comprendre pourquoi, et dans les Hopi, elle correspond vraiment à la Blue Kachina. Eh bien, après ce premier signe astronomique-là, que la Bible nous parle, eh bien, le grand dragon va se situer devant la femme, prête à dévorer son enfant. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire au niveau terrestre? Eh bien, c'est que Satan est jaloux de Jésus. Il veut établir son nouvel ordre mondial, son règne satanique sur la terre, versus Jésus, lui, il veut établir le millénium. Il va venir juger la terre, juger les méchants et établir son millénium. Et il y a un combat, il va y avoir un gros combat, il est commencé d'ailleurs, entre Satan pour l'établissement de son nouvel ordre mondial versus Jésus pour l'établissement du millénium. Et évidemment, Satan veut régner à la place de Jésus et il est jaloux de Jésus face à l'Éternel et c'est l'Éternel qui a proclamé que Jésus, c'est lui qui va régner sur terre avec une verge de fer. Retenez bien ça, c'est très important. Eh bien, le dernier avatar, c'est que le dragon se tient devant la femme, prêt à dévorer l'enfant dès qu'il vient au monde. Donc, il ne se tient pas juste devant la femme, mais il veut dévorer l'enfant dès qu'il vient au monde. Eh bien, comme je l'ai dit, ça correspond exactement à l'orbite de Planet X qu'on a sorti du cercle céréalier de Avebury 2008 et qui a été validé par plusieurs méthodologies, dont des comparaisons avec des études d'astronomes professionnels, et dont un qui a été assassiné et l'autre qui est actuellement qui fait actuellement partie de l'équipe de la sonde WISE que la NASA a envoyée pour détecter Némésis. Quel heureux hasard avons-nous ici. Maintenant, Satan est jaloux de Jésus et veut régner à sa place. Eh bien, il y a une mythologie correspondante où je vais vous en parler de cette mythologie-là et vous allez voir que les Illuminati attendent vraiment une invasion d'extraterrestres, ils attendent vraiment l'établissement surnaturel de leur nouvel ordre mondial et ils haïssent Jésus d'une façon, vous n'avez pas idée, ils veulent prendre sa place, ils le savent très bien et il faut que vous rendiez compte ici que si les Illuminati croient dans Jésus, ils ont une guerre contre lui, et bien que Jésus doit exister, ils déploient toute leur force, toute leur technologie, ils vont déployer des armées, ils vont tout faire pour établir le règne satanique du nouvel ordre mondial contre Jésus. Imaginez-vous ça. Ici, maintenant, je vous dis que ça correspond à mon orbite. Eh bien, je vous amène ici. Vous avez cet objet-là ici qui est le destructeur que je vous ai montré. Elle était à ce moment-là, le 8 mai, c'est environ l'endroit où je m'attendais. Donc, elle s'en va était en transit vers la constellation de la Vierge. Eh bien, la Vierge, elle rentrerait ici. Lorsque, bon, voyez-vous, ça c'est l'orbite d'Hélénine ici qui est en bleu, l'orbite du destructeur est en rouge. Donc Hélénine, ici avec la Terre, on parle de l'alignement du 27 septembre qui se situe ici. Et au mois de septembre, eh bien, le destructeur va sûrement être rendu devant la Vierge. Et pour vous donner un exemple, comme je vous ai expliqué, vous avez la tête de la Vierge ici, vous avez le corps, les bras et les deux jambes comme ça. Et lorsque vous voulez dévorer un enfant, j'espère que ça ne vous prend pas à toutes les... que ça vous est jamais arrivé, là, mais on parle au niveau... On se crée une image. Si quelqu'un veut dévorer un enfant, eh bien, il va se situer, il va se placer devant la Vierge, mais en avant des jambes, pour recevoir l'enfant dans ses bras, et non pas au niveau de la tête, parce que ça va mal prendre un enfant si vous êtes au niveau de la tête de la femme qui accouche. Il faut se situer entre ses jambes ou en quelque part en avant des jambes pour recevoir l'enfant et pour le manger. Et la Bible nous dit bien, le dragon se tient devant, il se tient prêt devant la femme, justement prêt à dévorer l'enfant dès qu'il vient au monde. Alors ça correspond complètement à l'orbite
du sac serrélier de Avebury 2008. Alors maintenant, continuons. Eh bien, la femme, le dragon et la couronne, le combat dans les cieux, correspond à un débarquement d'OVNI, correspond à l'avènement du nouvel ordre mondial. Eh bien, c'est spécial parce que, voyez-vous, quand on parle, on vous dit quel est votre nom. Eh bien, les abréviations de Nouvel Ordre Mondial font nom. Et c'est vraiment spécial. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit que quel est le chiffre de son nom, que la bête a un chiffre, et c'est le chiffre de son nom, et c'est le 666. Et je vais vous... Dans d'autres capsules, je vais vous faire une preuve que le Nouvel Ordre Mondial est relié carrément au chiffre 666. Et je vais vous faire une démonstration plus profonde que de dire oui, ils vont nous microchipper avec une puce dans laquelle il y a 666 toujours dedans. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais vous faire une démonstration comme jamais on vous a faite sur le nombre 666 pour que vous compreniez que c'est vraiment l'avènement du Nouvel Ordre Mondial. On est à la porte. Quand je parle à la porte, le Nouvel Ordre Mondial peut arriver d'ici un mois, d'ici deux mois. Il est vraiment à la porte. Je n'ai pas de date exacte, mais je crois que les événements astronomiques dans lesquels je vous parle actuellement sont intimement reliés à son avènement. On parle ici du Nouvel Ordre Mondial. Donc, dans l'Apocalypse 12, versets 7, 8 et 13, il est dit, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Le dragon, c'est Satan. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Qui sont le dragon et ses anges? Eh bien, c'est Satan qui amène le tiers des anges dans sa tromperie. Et ces anges-là deviennent des anges déchus. Et ce sont des démons. Et ils se font passer pour des êtres extraterrestres, des ovnis, des UFO. Je vais vous montrer des films. Vous allez voir, ça ne ressemble pas à des êtres ou des soucoupes volantes solides. Ces sphères-là ressemblent à des êtres qui se parlent, qui bougent entre elles. Ils ont un peu de luminosité, ils ont l'air des êtres vivants, exactement comme des jellyfish, si vous voulez, ou des anémones de mer flottantes dans le ciel. Et donc, ils ont été précipités car ils n'étaient pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est assez clair. Le dragon, c'est le serpent ancien, il est appelé le diable et Satan, donc vous avez la preuve de ce que je vous ai montré avant au niveau terrestre, que le grand dragon rouge, c'est Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, pas n'importe où, sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mort. Mais c'est clair que c'est Israël. Et il va essayer de... Satan, dans son nouvel ordre mondial, l'Antéchrist va tout faire pour détruire Israël ou de s'en accaparer, d'avoir le contrôle sur elle. C'est pour faire un affront à Dieu qu'il va le faire.